Madame, messieurs, bonsoir pour nous tous. Mon capable à c'est chacun Joseph. Déjà, je vous bienvenue pour une nouvelle sortie. Dans ce que nous avons pour nous partager avec vous, retour sur l'année 2023 avec 9 dates clés. Équipe qui fait plus de dépenses pendant l'année 2023, Sadio Mané qui répond aux supporters qui t'a scandalisé Messi pour taquiner Cristiano Ronaldo et intervention de CR7. Et enfin, joueur qui favori pour remporter Ballon d'Or 2024 là. Alors, madame, messieurs, m'invitez au Chita, je suis capable de plus de détails et partager avec vous l'autre information. Déjà, je souhaite à toutes fans vrayo bonne année. Que bon Dieu protège nous tout côté nous y est, que année 2024 là, une année de bénédiction pour nous. Maintenant, Kounia, s'il vous plaît, abonnez avec page là si vous pouvez faire ça. Activez cloche notification, mettez-le sous tout pour ne pas rater aucune vidéo. Quittez un like en bas vidéo ça. Dis ça, vous pensez dans l'espace commentaire là vraiment important. Et partagez vidéo ça dans tout groupe et dans l'autre page pour permettre à ce que plus de monde capable d'informer de information yo. Madame, messieurs, n'a pas marqué une pause tout coûte, n'a tourné pour développement information yo. Guy Fashion, maison de bijoux personnalisé. Fait ménage, madame ou bien zami ou surprise avec un bel bijou. Pour contact, Cap Haïtien, rue 20 et 21A, téléphone 609 44 24 54 54. États-Unis, Fort Lauderdale, plus 195 46 99 40 90. Viens joindre nous. Madame, messieurs, nous retournons après pause là. Donc, nous remercions vos patience sous avec fidélité. Très rapide, on nous entre dans le détail information. Retour sur l'année 2023 avec 9 dates clés. Erling Haaland devient absolu, meilleur buteur du nombre de buts inscrits dans une saison dans le championnat Premier League là. Il termine la saison avec une affaire de 36 buts. 4 mai, équipe napolitaine n'a sacré champion d'Italie pour la troisième fois de son histoire. 8 mai, Jean-Michel Aulas annonce de parler dans l'équipe olympique lyonnaise là après 36 ans à la tête club là. Et 4 juin, Karim Benzema quitte Real Madrid après 14 saisons passées dans le club espagnol là. 4 juin, Zlatan Ibrahimovic international suédois prend retraite li. 7 juin, Jude Bellingham signe dans l'équipe Real Madrid là. Il prend le connaît des débuts fracassants. 10 juin, Manchester City remporte la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. 30 octobre, Léo Messi remporte 8e ballon d'or. Alors, capable de dire que c'est l'unique joueur qui gagne 8 ballons d'or dans le monde footballistique là. Et Cristiano Ronaldo, 38 ans, terminé année avec une affaire de 54 buts. Très rapide, madame, messieurs, on a loué équipe qui fait plus de dépenses pendant l'année 2023. Tout d'abord, on a commencé avec Chelsea Football Club qui fait une dépense de 1,08 milliard d'euros. Paris Saint-Germain finit en deuxième avec 497 millions d'euros. Manchester United finit en troisième position avec 447 millions d'euros. Arsenal finit en quatrième avec 427 millions d'euros. Tottenham Hotspur finit en cinquième avec 425 millions d'euros. Manchester City finit en sixième position avec 396 millions d'euros. Al Hilal finit en septième position avec 353 millions d'euros. Newcastle United finit en huitième position avec 339 millions d'euros. West Ham United finit en neuvième position avec 324 millions d'euros. Nottingham Forest finit en dixième avec 317 millions d'euros. Real Madrid finit comme équipe qui pititrait, nous connaît très bien dans la Ligue des Champions, en 17e position avec 209 millions d'euros. Et enfin, Barcelone finit en 18e avec une affaire de 201 millions d'euros. Madame, messieurs, dans un match qui t'a disputé entre Al Nassr et Al Ittihad, alors depuis le Cristiano Ronaldo t'a rentré dans le stade là, supporter Al Ittihad t'a scandalisé Messi pour taquiner Cristiano Ronaldo. Incapable de dire réaction Sadio Mané, les prochains bon public là, les faire connecter, les dire crier plus fort, on ne peut pas vous entendre. Alors, madame, messieurs, public là, pas suspendre crier,
Messi, Messi, Messi. Madame, Monsieur, dans l'interview Cristiano Ronaldo te gagné avec yon journaliste, li fait connaître que li rale yon paquet de grands joueurs dans le championnat saoudien. Il est capable de dire Cristiano Ronaldo fait connaître que l'elte prend décision pour te aller dans le pays Arabie Saoudite, personne pas de croire que li t'apprend le bon. C'est le passé, ça m'est égal. Qu'on y a, ça qui est important, c'est que championnat a grandi, joyeux, désormais en vie pour yo capable de jouer dans championnat compétitif là, qui c'est ligue saoudien. Et tout le monde là, regarde championnat, désormais, yo conseille grand joyeux pour yo capable de jouer dans championnat saoudien. Et déjà, li souhaite yo bienvenue. Madame, Monsieur, on capable dit comme fierté pays d'Haïti gagne dans monde footballistique là. Alors on capable dit c'est Conventina du Monet qui classé en 4e meilleure jeune joueuse U20 de l'année 2023 par IFFHS. Alors Fédération Internationale d'Histoire et de Statistique du Football. Madame, Monsieur, très rapide, on a le joueur qui favori pour Ballon d'Or 2024 là. En première position, c'est Jude Bellingham qui a joué dans Real Madrid. En deuxième position, c'est Kylian Mbappé qui a joué dans Paris Saint-Germain. En troisième position, c'est Harry Kane qui a joué dans Bayern Munich. En quatrième position, c'est Erling Haaland, Manchester City. En cinquième position, Rodri qui a joué dans Manchester City. En sixième position, Mohamed Salah qui a joué dans Liverpool. En septième position, Antoine Griezmann qui a joué dans Atlético Madrid. En huitième position, Julian Alvarez qui a joué dans Manchester City. En neuvième position, Vinicius Junior qui a joué dans Real Madrid. En dixième position, c'est Lautaro Martinez qui a joué dans Inter Milan. En 11e position, Cristiano Ronaldo qui a joué dans l'équipe Al-Nassr. En 12e position, Bernardo Silva qui a joué dans Manchester City. En 13e position, Bukayo Saka qui a joué dans l'équipe Arsenal. La. En 14e position, Robert Lewandowski qui a joué dans l'équipe barcelonaise. La. En 15e position, Lionel Messi qui a joué dans l'équipe Inter Miami. Alors, madame, messieurs, question qu'a posé côté Messi, est-ce que l'Ipoil capable de remporter 9e ballon d'or? Dernière information, madame, messieurs, international argentin Claudio Echeverri pour aller rejoindre Manchester City pendant l'année 2025. Là. Alors, capable de dire plus précisément, c'est dans le mois de janvier. Là. Merci, parce que tu prends le temps pour te suivre, rubrique passeport. Mon qui te pote information pour vous, c'est tes amis, chacun Joseph. À la prochaine pour une autre sortie.